vous aviez un truc trop cool à me montrer. Je croyais que ce serait peut-être un peu mieux que du chewing-gum parfum chewing-gum. How it feels to chew five gum. Five gum. Stimulate your senses. Dommage que Corey soit pas là pour essayer, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est sûrement sorti pour faire un truc trop dément. Ouais, Corey, arrête pas de faire des trucs qui désirent. J'étais coincé dans un ascenseur, j'ai dû écouter 41 heures de musique d'ascenseur. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Tes tympans ont subi un grave traumatisme. Et l'intérieur de ta tête est une rage impressionnante. La vieille musique, bien ringarde, y'en a marre. Il est grand temps que Grosh Bend arrange ça. La musique est créée pour torturer l'humanité. Cette magie noire est l'œuvre du MTV. Diabolique. Et le seul moyen de descendre est d'invoquer Las Vegas. Au moyen d'une incantation magique. Et c'est quoi cette incantation? Chantez-la, je voudrais pas la chanter un jour sans le vouloir. Non, il est hors de question que tu me fasses dire. Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient, cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan. Ha la la la, soin-toi les petites boules, sur la cuvette, Yvette, oui c'est cool. Flibe les vides de la vie de la fèche, hot hot hot, oui on a rien à foutre. Ha ha lilia, ho ho lilio, wout wout, ha de l'éha. Miaou. Gentlemen du déménagement. Monter dans un ascenseur hanté qu'on a dû invoquer pour descendre dans les enfers, ça serait pas un peu dangereux? Mais importa un pito. C'est parti les gars, on va faire rôder les enfers. Alors sur quel bouton je dois appuyer? Je sais pas pourquoi mais je sens bien celui avec la tête de mort. Ça se trop prévisible. J'arrivais à m'enfermer avec Nick Mallory dans un endroit quelconque, il tomberait amoureux de moi. Mais pourquoi, si c'est difficile? Parce que t'es un psychopathe. Voilà pourquoi. J'avais poussé Nick dans cette toile d'araignée et il sera à moi pour toujours. Faisons un petit test. Et là... Ouais, ça marche. Oh, ça y est, voilà Nick. Alors, vous avez regardé le match hier soir? Ouais, génial, beau match. T'as remarqué, y a pas un chat ici. Non, mais il y a moi. Wesh poto! Bienvenue dans la famille gros. Vous étiez très différents dans la légende qu'on a inventée. Grave. C'est probablement à cause de... ce chapeau magique. Je vois... YouPorn. Et sérieux ou quoi, feu? Vas-y, je joue plus. On est venu pour vous dire que votre musique d'ascenseur est con. Et si je te payais pour dire la vérité, tu serais... pauvre gamin. En effet, c'est complètement con. Un ascenseur? Quel ascenseur? Oh, c'est l'endroit idéal pour enfermer Nick. On va carrément entendre nos cœurs, genre battre l'unisson. What are you doing? Oui, ça va, je sais. Voilà. Ouais. Maintenant, comment je vais faire pour que Nick arrête d'observer les oiseaux et monte dans cet ascenseur avec moi? Nick n'arrive pas à croire qu'il observe un spécimen rare depuis cet ascenseur bizarrement situé. Quel joli petit oiseau. Joli? Ça suffit, le spectacle est terminé. Bonsoir. C'était en 1857. Il y avait cet horrible son. Et ce que je croyais être un rêve a soudain tourné au cauchemar. Je l'entendais en travaillant, en mangeant, en dormant. Et il a fini par me transformer en un monstre amer et sans merci. Mais là, fermez sa gueule! C'est alors que j'ai compris que mon devoir était de capturer et de tuer la musique pour toujours. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, vous entendez ou pas, s'il vous plaît? C'est pas possible. Le micro, là, c'est vraiment pas possible. Donnez-moi ce micro. Ne faites pas l'enfant. Donnez-moi ce micro. Qui
ont eux-mêmes créé encore plus de musique. Et ça, ça me rend complètement... Oh, comme je serais heureux d'entendre de la musique avec des paroles. Jouez-moi un titre avec des paroles et je vous promets que vous serez libre. Malheureusement, on a égaré nos paroles. Pas de paroles? Oh, mais c'est merveilleux! Vous voyez bien que vous faites de la musique d'ascenseur. Encore! Quel bonheur d'entendre pour la première fois nos deux cœurs battre à l'unisson. Ça fait trois cœurs qui battent, Mina. Très bien, c'est tellement romantique, Nick. Pas du tout. Alors, sur une échelle de 1 épouvantable. Attends, c'était quoi ce son horrible? C'est carrément trop cool d'entendre notre amour résonner dans cette boîte. Elle est minable, y'a pas de quoi s'occuper d'elle. Y'en a un autre, il s'appelle Georges. C'est trop affreux. Je suis coincée dans cette boîte avec la musique de mon frère. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je le savais. Élimination. 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 Élimination! 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 Waouh! Je dirais même plus, ouch! C'était si violent que ça? On va enchaîner. Yes, sir! Appuyez sur le bouton. Touche pas ça! Nick préfère retourner aux choses qu'il comprend. Les oiseaux. Les oiseaux aiment les cages. Les cages attrapent des... C'est trop fort. Finalement, Corée, c'était plutôt cool de faire rocker la musique d'ascenseur. Bon. Les choses sont mauvaises pour une bonne raison. Et les améliorer risquent de les rendre encore pires. L'ascenseur de votre âme descend alors au sous-sol. Et on reste coincé là-bas, avec un monstre dans son propre crâne. Est-ce qu'Oti c'est mort? C'est fini.